Visite terrain li fè nan chantier central Soleil ak Termik Marchand de Saline nan et puis sous terrain football tout neuf ville marchand nan parc Saint-Clair, c'est en façon pour président République lan Jovenel Moïse qui t'a accompagné autorité département Latibonite yo assurer le technicien yo à remettre travail yo nan délai 17 octobre qui prévoit pour sa fête. Pour autorité locale yo, électrification Marchand de Saline, c'est un rêve qui tourne réalité. Et nous gagnons réseau à je dis nous gagnons 1 mégawatt, nous gagnons 1 mégawatt et 1.9 mégawatt, c'est-à-dire nous gagnons 250 kilowatts solaires et nous gagnons 1.6 1.6 mégawatt diesel. Ça veut dire que c'est la première fois que EDH fait pas ça. Moi c'est que son gros bagage population étape dans ça et c'est tout ça président Abdi je dis. Et moi crois que tout département de la Tibonite et je dis ça qui fait machin, ça montre que faut le commencer son côté. Ça montre que ça président qu'on a dit question coup 24 24 ans et la fête. Elle dit que c'est pas dans temps la fête là, c'est fête pour le fête parce que fête n'a pas grand temps. Et de vouloir faire, il faut faire. Ça qui arrive que nous devons faire dans 2 ans, 3 ans. Mais moi, je crois que la fête, et je dis, c'est espoir pour tout le département, c'est espoir pour notre commune. Et moi, je crois que le président, et je dis, non, la Tibonite, pour toute notre commune, que même ça fait marche de Saline, je dis, il faut le faire Petite Rivière, il faut le faire Grette Saline, il faut le faire Des Dunes, il faut le faire Saint-Michel de la Talaye, il faut le faire Gonaï, il faut le faire dans tout le département de la Tibonite, Terre-Neuve, en sous. Merci, président, dans tout le machin, et tout le monde de la Tibonite, après même ça, Henry, après nous, sauf là, je dis, en Marchand de Saline. Merci, président. Plusieurs citoyens dans Marchand de Saline font qu'on est, commune n'a pas gagné courant depuis plus passé 10 l'année. Une situation qui t'a attiré attention chef l'État depuis la campagne électorale. Président Jovenel Moïse m'a dit population, prends patience parce que c'est tout département dans le pays qui a cap joint service de base. 212e année depuis frère nous, chez nous. T'es fait complot, t'as assassiné l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Jodia, on met tête pour ensemble pour nous faire un complot pour nous assassiner sous développement. On fait un complot pour nous assassiner sous développement, pour nous assassiner pauvreté. On fait un complot pour nous assassiner grand goût. On fait un complot pour nous assassiner fait noir. C'est ça nous besoin aujourd'hui. Nous besoin pour nous mettre tête nous ensemble pour que le pays ça nous mette sur le changement tout bon voyage. Changement côté pays à gagner courant, changement côté pays à gagner de l'eau pour monde, changement côté pays à gagner de l'eau pour monde jardin, changement côté pays à gagner route. Mandez-nous accompagnement nous, mandez-nous 100 fois nous, parce que c'est 20 mois, nos mandats que nous t'aimons moins, dans 20 mois nous tout ça m'a réalisé. Nous virons ça. Président Jovenel Moïse chita parlé à représentants différentes couches dans la commune, nan, toute classe politique confondue. Chita parlé ça a déroulé sous avenir Marchand de Saline, projet qui pral exécuté yo et puis perspective yo. Plusieurs participants te posé question sur réalité commune là. Question sur mécanisme de gestion projet qui fin exécuté yo. Infrastructure scolaire, décentralisation et tourisme. Moi, c'est que c'est un fierté. Moi, premier mot, c'est remercier le président d'abord pour le chantier de travail qui l'ouvre dans la commune de Saline. Même j'en ai fait l'année dernière, 17 octobre, moi, c'est des revendications de la population qui m'ont porté devant le président. Et le président lui-même lui a pris note et pour le agir vite. Nous gardons nos machins lui-même lui en chantier là, nous avons un terrain de football là, nous avons une question courant électrique là encore qui va le résoudre définitivement dans la commune. Moi, c'est son fierté pour nous en tant qu'autorité, son fierté pour nous. En tant que Dessaliniens, nous prenons projet ça à cœur et nous féliciter encore, nous remercier le président pour le gros travail ça qui l'ouvre dans la commune de Saline. Encore moi, c'est un plaisir de priver marchand, je dis, pour moi de bel travail et ceci en peu de temps. Mon belle pelouse, moi j'ai du central qui a installé, moi j'ai une route là sous ce qu'on fait, et je pense que nous-mêmes comme parlementaire qui s'est élu comme président, nous avons pour encourager le travail ça, nous avons pour camper sous côté président, sous côté gouvernement, pour que nous fassions tout le travail qu'on fait, marchand fait tout côté, pour que le mandat que moi-même j'ai, moi, président et sénateur j'ai, pour que après mandat, le peuple a dit merci. Et me fait pour me dire gouvernement merci. Au nom marchand de Saline, au nom de mes collègues Mangassa Delva, nous disons gouvernement merci. Et nous pensons qu'il faut continuer sous même lancer, pas seulement pour 17 octobre, mais il faut faire pour tout le temps, chaque jour, pour travailler dans le pays en tant que gouvernement fait qu'on est là. Moi, je crois que je dis, c'est deux promesses qui respectent, à savoir terrain football là, que nous, qui pratiquement pas le fini, et question courant, côté que nous arrivons à 1.9. Mégawatt. Ça veut dire que, je dis, moi, je crois que l'autre ville, Thierry Rivière,
que nous t'ai fait promesse gagner centrale hydraulique là qui là et me penser que le va arriver sont très bon bagaille le que nous même nous dans campagne il y a des promesses qu'on fait et puis dans le département on va retourner hein devant monde avec président l'autre sénateur et puis promesses à respecter. Moi je pense que son bon pas sont pas dans la bonne direction et que nous souhaitons que Gonaïve Henry eh bien pas que pour finir quand pas Vincent li fini et Henry Saint-Michel justement côté gain des problèmes mais c'est pas ça pas oublier que budget pays a pas permettre que vous faites tout bon seul coup mais son satisfaction pour nous parlementaires à Tibonite que la promesse que nous défendons appuyer président Jovenel nous voyons que vous pouvez aller donc son très bon pas dans la bonne direction. Pour travailler là parce que nous bien contents parce que nous avons plusieurs années là nous pas jamais gain courant. Tout l'autre côté gain courant nous pas jamais gain courant qu'on y a nous et a fait un bel travail et nous content travail là. Est-ce qu'on rentre à regarder déjà comment y a pas aménagé site là? Oui, on rentre, moi y a fait bon travail. Et comment nous t'ai fait pour nous fonctionner pendant nous pas gain courant? Pour nous fonctionner, c'est comme si téléphone, nous besoin charger, c'est payer, nous payer 15 gouttes, nous charger. Après ça, nous était comme ça, nous utiliser gaz, lampe. Si on travaille, nous très félicité. M'a dit président Jovenel, merci, merci un peu parce que il y a longtemps mon marche a souffert pour courant. C'est un travail qui tout que tout le monde marche qui parce que c'est un bagage. Capitule tout le monde marche. Président, moi-même, moi, c'est mon marche. Moi, salue. Eh bien, nous bien contents pour le travail que vous commencez à faire dans le marchand de saline. Nous avons date depuis nous pas gain courant dans le marchand de saline. Mais nous, vous faites un effort là, vous mettez travail pour courant dans le marchand de saline. Mais nous disons merci pour ça. Depuis qu'on a travaillé sur moto, tant que vous avez dans 4h du matin, mal travail, c'est fait noir. C'est lui même auto qu'on éclaire avec mon la caille tout qu'a fait manger c'est flash acheté au éclairé même ça moi son bel travail qu'a fait parce que nous avons pile temps depuis nous pas gain courant dans marchand et peuple a souffert en pile tout parce que en pile monde qui gain frigidaire bah ça au fin gâté et c'est qu'on y a fait réparation à cause du temps de pas gain courant nous gain plus de 9 ans passé parce que nous pas gain courant. Le marchand a souffert en pile pour le travail ça qu'a fait là parce que son gros pièce important courant et pour nous même dans marchand des salines. Central ça c'est pour le résultat combinaison entre énergie thermique là qui produit 1 mégawatt courant avec centrale solaire qui bail environ 200 kW pour alimenter ville marchand des salines. Population dans ville ça te kon rencontré en pile difficulté à cause de seule centrale la Tibonite là qui te kon alimenter zone ça. D'après directeur Anorcea et Vincent Calix, c'est première fois EDH a construit une centrale photovoltaïque. Li fait connait tout, yo prévoit sensibiliser moun yo sous nécessité pour yo payer pour énergie à consommer. Problème courant dans pays a pas de jamais problème pas de jamais problème. Technique, c'est un problème politique. Le coup n'a nous, qui sa volonté politique permet de nous réaliser, dans un laps de temps, nous capables de dire, quand je suis passé 15 jours, nous avons presque mis 50 kW solaire, là, ça fait les réfléchir avec les bailleurs de fonds internationaux, avec partenaires, nous expliquer que nous avons l'autre vision, nous avons une équipe qui voulait. Qui a une volonté politique pour bagaille avancer. Donc nous pensons que bagaille va aller extrêmement vite et bien. Yon l'autre côté, Evanson Calix fait connaître environ 51 micro-réseaux annoncés pour lancer appel d'offres pour eux dans plusieurs zones dans le pays. Il a annoncé tout construction 10 réseaux électriques régionaux pour alimenter les communes qui sont reculées. Les IWA fin fait, nous réparer les anglais centrales solaires, nous avons préparé Kouniala, nous avons de réparation centrale Kotoa. Ça va continuer à fonctionner, mais nous allons augmenter la capacité solaire. Li. Nous avons construit réseau, nous disons réseau Chadouine a préparé là, réseau d'Amarifine préparé, réseau Ansdeno
fin réparer kounya n'a fait réseau dondon moi c'est que son bail qui clair qui monte tout monde qui nous braler et nous gon gros paquet de 51 micro réseau qui pral sortir là dans appel d'offre annoncé pral gain pour le faire mettre dehors dans début mois de novembre non côté 51 réseau ça yo l'état pral avancer pour mettre en place infrastructure de distribution que soit moyenne tension basse tension et promoteur yo qui c'est investisseur yo même il pral gain pour investir comme yo pour yo capable et dans génération et puis dans connecter client pour population dans zone marchand des salines construction réseau électrique ça dans commune là pour l'améliorer gens ont qu'on a vivre depuis qu'on a courant dans une zone ça veut dire que c'est une zone qui est appelée pour l'y développer sans compter que moun yo capable gagner plusieurs autres affaires par exemple si on gagne poisson etc. Donc courant vraiment son bail qui est très important que ça sont réel plaisir pour moi pour sénateur Castelva à président Jovenel Moïse. Sans DBC ça, je ne vais pas bénéficier de rien. Ça fait un plaisir. Je vais essayer dans le pays anti. Moi, c'est route courant qui développe mon pays. Je dis, nous avons courant 24-24 à l'heure des panneaux solaires. Nous avons courant 24-24. Centrale électrique marchande de Saline. Nous avons une centrale indépendante. Pour qu'on ait un stockage pour qu'on ait courant. Pour qu'on y ait distribution pral fait directement avec diesel pour la nuit et puis soleil pour la journée. Processus pour mettre courant électrique la caille tout le monde dans le pays a avancé à grands pas. Ici là, nous dans la commune Verret, dans le département de la Tibonite, côté technicien yo a travaillé pour réparer entièrement centrale hydroélectrique d'Ouéa qui permet aux zones bénéficiaires yo recevoir environ 3.2 MW courant. Evenson Calix, directeur général autorité nationale pour régulariser secteur énergétique là, explique différents travaux qu'a fait yo. Et yo té déjà démantelé tout turbine, retiré alternateur, retiré régulateur de vitesse yo et là yo pral procéder à réparation complète et centrale là et ça n'a dit tout monde c'est que après réparation ça on pral gain 3.2 MW hydroélectrique qui va être disponible effectivement centrale ça centrale centrale qui était toujours à gérer et par EDH. Et ça qui est intéressant pour tout le monde qui comprendre l'orgue centrale hydraulique qui a fonctionné et débit de l'eau disponible parce que son centrale au fil de l'eau contrairement à public quand on stocke de l'eau au fond conduite forcée pour douette ou t'as regardé l'image là ou pas gain ça donc c'est son centrale au fil de l'eau l'eau arrivée ou gain ça ou des chambres de charge qui permettent automatiquement et actionner van qui va permettre d'alimenter et turbine hydroélectrique. Donc le travail est démarré déjà, donc vous capable là avec toutes images ou après tout au côté là tout trou regarder là c'est trou côté et turbine étayé donc vous démantelé pour remplacer par turbine tout neuf et après ça information que le peuple a doit connaître c'est que vous pral gagner 3.2 MW qui pral disponible qui pral injecter sous réseau et la Tibonite. Il y a 3 turbines qui étaient en panne qui cause centrale hydroélectrique d'Ouéa pas de fonctionner. Mais après visite président Jovenel Moïse sous site ça commande tout équipement électrique était fait immédiatement. Dans site ça, yo plus utiliser de l'eau avec soleil là, un système qui coûtait moins cher et qui permet différentes sociaux by service une après l'autre. Et ça pour nous comprendre en fait c'est que réhabilitation centrale ça va permettre une disponibilité si de l'eau disponible, on disponibilité 24 sur 24. Et ça qui est intéressant tout l'autre chaque fois une centrale hydroélectrique, c'est que j'en ai essayé d'avancer avec énergie solaire là, le combiner solaire avec hydro, les bon bagage qui est intéressant. Pour ça, parce que comme l'eau est toujours disponible 24 sur 24, et le soleil lui-même n'est pas toujours disponible 24 sur 24, l'eau marie tous les deux, il peut être souvent, puis il demande la journée, ou faire avec le soleil là et de l'eau, et puis le soir, il peut être moins de batterie, parce que batterie stocker énergie dans la batterie coûte extrêmement en pile l'argent, et il peut être une bonne situation optimale. Les acteurs nous ont dit que nous-mêmes, c'est extrêmement intéressant pour nous réparer douette, parce que douette, bon 3.2 MW le soir, il peut être après 10 heures, il y a moins de stockage, et puis. Ça veut dire centrale hydroélectrique là avec une vaste batterie de stockage nous capable dire comme ça au niveau technique qui va permettre nous stabiliser réseau dans zone Gonaïve là. Mais ça qui pour clair pour tout le monde nous pas jamais dit que centrale 3.2 MW là pour permettre ou alimenter tout et réseau à Tibonite. Et bien ça lié. Nous dit que centrale 3.2 MW là comme centrale hydroélectrique et le mettre durée de vie à sous 40 ans, 30 ans. Les centrales qui coût de production extrêmement bon marché, puis bon marché pour diesel, et nous dit pays a gain intérêt utiliser toutes ressources que le gain disponible. Nous connaissons un potentiel extraordinaire
en matière solaire et nous avons un potentiel qui existait tout en matière hydro et nous disons que la politique énergétique et gouvernement qu'on a, c'est de rassurer diversifier la matrice énergétique. Là. Côté gain soleil, il utilise soleil. Côté gain de l'eau, il utilise de l'eau. Et il mixe par côté gain biomasse, il utilise biomasse. Côté gain éolien, il utilise éolien. Et là, c'est un bel exemple hydro. Et nous avons là, nous travaillons en fait pour nous garder est-ce que nous avons tout deux trois sites qui près d'où côté carbone central solaire pour nous injecter sous système là pour tout le monde marcher ensemble. Accès à courant électrique, c'est un gros facteur de développement en pays. C'est un aspect qui est lié à sécurité, santé, commerce, pour ne citer ça ou seulement. D'après ingénieur Evanson Calix, d'ici novembre 2019, centrale hydroélectrique d'Ouéa a flambant neuf.